Hey, salut toi qui me rejoins en replay, peut-être, ou qui est avec moi en live. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va se lire un petit texte niveau JLPT N5 sur le site yomojp.com. Je vais tout vous expliquer. Si vous aimez bien ce que je fais, eh bah, ben c'est cool, d'une part. Et ensuite, c'est encore mieux quand on partage, quand on dit ça à ses amis, sa mère, son chat, enfin surtout si le chat a un compte Instagram, c'est mieux. Vaut mieux s'abonner un petit peu partout pour rien louper, sur Insta, sur Twitch, sur YouTube. Le reste, ça compte pas. Et si vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, et que vous avez déjà soutenu toutes les causes qui sont chères à votre cœur, vous pouvez me faire un petit don de soutien avec les liens dans la description ou ceux qui diffusent dans le chat. Voilà, on va parler des pâtes, des nouilles, de tout ce qu'on appelle les mènes. Donc c'est pas les hommes, c'est mènes comme dans l'amen. Les nouilles. Regardez-moi ces jolis plats là. Est-ce que déjà là vous arrivez à reconnaître les différentes sortes de pâtes, ou est-ce que vous allez vous de nouilles, ou est-ce que vous allez vous tromper? On y va. Kyowa Nihon no men yori o shokai shimasu. Kyowa, aujourd'hui, Nihon no men yori. Donc deux noms reliés par la particule no, tout simple. Donc une qualification. Nihon no qui vient qualifier men yori. Yori. La cuisine, menryori, la cuisine des nouilles, les plats de nouilles japonaises, nihon no. O shōkai shimasu. Shōkai suru, présenter quelque chose, introduire, vous parler de quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouilles japonaises, la cuisine des nouilles japonaises, les plats de nouilles japonais. Soba. Soba wa. Sobako de tsukurimasu. Tsumetai soba wa tsuyu ni tsukete tamemasu. Tsuyu ni negi o iretari, soba ni wasabi o tsuketari shimasu. Soba wa, donc les soba, que vous voyez là. Sobako de tsukurimasu. Ce ko là, c'est un kanji qu'on va lire souvent. Kona, qui est la fun dans sa prononciation on, c'est de la poudre. D'accord? De la poudre. Je crois bien que c'est fun, hein, sa prononciation on. Je vais vérifier un instant que je vous dise pas des bêtises. Tiac, tiac, tiac. Oui, hein, c'est bien fun. Donc, soba ko, et donc quand il en suffixe comme ça, ko, ça veut dire de la poudre à quelque chose, ou de la farine à quelque chose. Donc là, c'est de la farine à soba. Les soba sont faits pour la avec de la farine à soba. Bon appétit, Doomfy. Doomstyle. Dooms. Je vais dire Dooms. Ça va être plus facile pour moi à la lire. Soba kode tsukurimasu. Avec le de, qui est la particule qui indique le moyen, la manière, la façon, le matériau d'origine. Soba de, soba kode tsukurimasu. Tsukuru, formamasu, fabriquer, faire. Tsumetai soba wa tsuyu ni tsukete tabemasu. Tsumetai soba wa. Tsumetai, froid. Les soba froides. Tsumetai, c'est les objets froids. On va pas dire samui soba. Non, samui, c'est moi qui suis samui. C'est moi qui ai froid. C'est le temps qui est samui, tout ça. C'est le froid ressenti. Tsumetai, c'est le froid objectif. Tsumetai soba wa, donc les soba froides. Tsuyu ni tsukete tabemasu. Tsuyu, c'est la sauce. Une sauce légère, hein. Un peu comme ça, vous voyez. Ça va pas être de la sauce occidentale, grasse, tout ça. Hein. C'est une sauce plutôt... comment on va dire là? Non. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Namita no tatoe. C'est... Voilà. Hein, ce tsu, on peut mettre ce tsu là, voilà, de la sauce pour tremper des choses. Hein? Un peu une sorte de petit bouillon. Tsuyu ni tsukete tabemasu. Et voilà, la bonne béchamel, c'est pas de la tsuyu. J'adore la béchamel, cela étant dit. Donc en plus, depuis qu'on a un robot là qui fait la béchamel quasiment tout seul, c'est fantastique. Donc, tsukeru,
tsuyu ni tsukete tabemasu. Là, on a une forme en té parce que on va les tremper dans le bouillon, dans la sauce. Tsukeru, hein, on va appliquer le bouillon dessus. Et ensuite, on va les manger. Donc, on a deux actions à la suite. Ça pourrait être aussi la forme en té qui indique c'est en faisant ceci, on fait cela. Donc, on les mange de telle ou telle façon. On les mange en les trempant dans la sauce. Tsuyu ni negi o iretari. Je vais voir tout à l'heure parce que le lit était là-bas. Tsuyu ni negi o iretari. Soba ni wasabi o tsuketari shimasu. Tsuyu ni, donc dans la sauce. En particulier ni. Negi, des oignons. Enfin, comment dire. Des oignons frais hein, d'ailleurs. C'est des oignons frais à la japonaise. Je sais pas comment on appelle ça. Un Welsh onion. Je sais pas comment on appelle ça en français. Des cébettes peut-être. Ils mettent juste un oignon, mais bon. C'est pas un gros oignon. Est-ce que c'est de la ciboule d'un nid? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va dire c'est de l'oignon, hein, du bulbe. O ire tari. Et là, on a la forme tari tari. Shimasu, tari, tari, suru. C'est peut-être des cébettes, mais les cébettes, ça me semble quand même un petit peu petit pour ça, mais je sais pas. Tsuyu ni, ah, et là, j'impressionne Marmonette parce que je sais ce que c'est que des cébettes. Tsuyu ni, negi o, ire, tari, soba ni wasabi. Donc dans le tsuyu, dans la sauce, on va mettre des petits oignons, je veux dire petits oignons, et puis voilà. Débrouiller comme ça, peut-être des cébettes, peut-être je sais pas quoi. O ire tari, donc on va faire cela, la forme tari tari se, c'est des énumérations avec des exemples d'actions. Donc on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc on peut mettre de l'oignon dans la sauce, et sur les soba, on peut mettre du wasabi. Ou des ciboulots en Japon. Si ça se trouve, c'est ça. Si je me fais une recherche Google Images sur les cives, c'est peut-être ça. Mais alors, les cives et les cébettes, ça ressemble, c'est la même chose ou pas? Cébettes, cives et compagnie. Bon, je vais m'arrêter là, parce que le thème, c'est les nouilles. C'est pas les... c'est pas... c'est bête. Atatakai soba wa shiru o kakete tabemasu. Yoku tempura to issho ni tabemasu. Atatakai soba. Donc les soba chaudes, atatakai, shiru o kakete tabemasu. Shiru, c'est un bouillon, mais un bouillon chaud, hein, comme miso shiru. Shiru o kakete, kakete, toujours kakeru, mettre dessus, appliquer dessus, tabemasu. Yoku tempura to issho ni tabemasu. Tempura, les tempura, autre mot d'origine portugaise, donc qu'on fait mon petit reel sur Insta sur les mots japonais d'origine portugaise. C'est pas parce qu'il y a un kanji là que c'est pas un mot d'origine portugaise. À une époque, tous les mots d'origine étrangère s'écrivaient avec des kanji. Donc tempura, voilà, ça a été importé par les Portugais. Friture comme ça a été importée par les Portugais. Yoku tempura to issho ni tabemasu. Issho ni. L'expression to, particule to, comme le e dans sa fonction de conjonction, puis issho ni. Tempura to issho ni, ça veut dire ensemble avec. Donc avec les tempura, tabemasu. On les mange souvent avec les tempura. Et ouais, ça c'est la photo, je suis d'accord, Marmonette, ça donne trop envie. Ouh, bravo Downy the Fox qui progresse sur sa lecture de kanji. Bon, en ce moment, je me remets un petit peu à écrire des kanji. Là. Comme j'en ai plus beaucoup dans mon deck Anki, maintenant, à chaque fois que je me plante, je me remets à écrire les mots. C'est quand même assez agréable. Même quand on se plante. Donc, udon, les udon. 小麦粉で作ります。麺が太いですね。うどんも
tsumetai udon to atatakai udon ga arimasu. Donc les udon. Komugiko. Komugiko, c'est la farine. Komugi, c'est le blé. Donc komugiko, c'est vraiment la farine classique, la farine de blé blanc. De tsukurimasu. On les fabrique avec de la farine de blé blanc. Men ga futoi desu ne. Ces nouilles sont épaisses. Futoi. Elles sont grasses. Enfin, elles sont très épaisses. Udon mo, les udon aussi. Tsumetai udon to atatakai udon ga arimasu. Donc pour les udon aussi, il y en a des froids ou des chauds. On peut le manger de les deux façons. C'est vrai que je trouve que les soba froides, c'est encore plus rafraîchissant que les udon froids. Que le udon, c'est quand même vraiment épais. Mais c'est bon, hein. Tu fais bien chaud. Atatakai udon. Soumen mo komugiko de tsukurimasu. Demo, udon yori men ga hosoi desu. Men o yudete, mizu de hiyashimasu. Soshite, tsuyu ni tsukete tabemasu. Soumen wa natsu ni yoku tabemasu. Et enfin, on voit les soumen. Les soumen. Soumen mo, les soumen aussi, komugiko de tsukurimasu. On les fabrique à partir de farine de blé blanc. Enfin, farine blanche, quoi. Demo, udon yori men ga hosoi desu. Udon yori, davantage que. Yori, ça sert à faire des comparaisons. Plus que. Men ga hosoi desu. Là, ces nouilles sont plus minces. Hosoi. Minces. Men o yudete. Yuderu. Comme dans yudetama, qui vous fera peut-être penser à gudetama. Yuderu, ça veut dire faire bouillir. Donc, mais au yudete, on fait bouillir les nouilles. Et puis, mizu de hiyashimasu. On les refroidit avec de l'eau. Merci Downida Fox de m'avoir sorti mon petit emoji gudetama. C'était évidemment une suggestion. Suggestion. J'ai un problème avec ce mot. Je dis toujours une suggestion, ce qui est à mon carré là-bas, au lieu d'une suggestion. Bref. Soshite, tsuyu ni tsukete tabemasu. Et puis, voilà, pareil que tout à l'heure pour les soba, on les trempe dans un bouillon qui est encore plus clair que celui des soba. Soumen wa natsu ni yoku tabemasu. Les soumen, on en mange beaucoup en été. Et c'est vrai que c'est surprenant quand on va directement les glaçons dans l'assiette, mais comme ça qu'on a la garantie que c'est bien frais. Hiyashi chuka. Hiyashi chuka mo natsu ni yoku tabemasu. Hiyashi chuka to ramen no men wa onaji desu. Men o yudete mizu de hiyashimasu. Hamu, tamago, kyuri nado o nosete tabemasu. Soshite suppai tsuyu o kakete tabemasu. Hiyashi chuka mo. Chuka, comme dans chuka ryori, ça évoque tout ce qui est la cuisine chinoise. Chuka. Ce ka là, c'est une autre forme de hana, mais qu'on n'utilise pas pour écrire juste hana, la fleur, mais qu'on trouve notamment pas mal dans les prénoms. Beaucoup de prénoms féminins en ka utilisent ce kanji là. Donc, hiyashi chuka, donc. Hiyashi, c'est de hiyasu, vous voyez, c'est le même kanji que tsumetai. Ça veut dire refroidir. Donc, le hiyashi chuka, natsu ni yoku tabemasu. On le mange, on en mange beaucoup en été. Yoku, hein, c'est la forme adverbiale de i. Et quand il devient un adverbe comme ça, yoku, ça veut dire bien ou souvent. Ça peut être là pour la fréquence. Mais c'est aussi voilà, la forme en ku. De i bien. Natsu ni yoku tabemasu. Hiyashi chuka to ramen no men wa onaji desu. Le hiyashi chuka et les nouilles des ramen, donc ramen no men wa onaji desu. Et donc onaji desu, onaji ça veut dire identique, pareil. Et quand vous voulez dire que ceci est identique à cela, il faut utiliser la particule to. Hiyashi chuka to
ラーメンの麺は同じです。ブラブラブラと同じです。麺を茹でて水で冷やします。On a la même phrase que tout à l'heure, donc on fait bouillir les nouilles et puis on les refroidit dans l'eau. ハム、卵、キュウリなどを乗せて食べます。Donc du ハム、hein, mais en petit, petit truc comme ça. Donc du jambon, tamago, de l'œuf, kiwi, du concombre que vous avez là. Kiwi nado o nosete. Nosete, c'est le verbe transitif qui correspond à noru. Noru, monter sur quelque chose. Souvent, ça veut dire monter dans un véhicule, être dans un véhicule. Noseru, ça veut dire faire monter. Donc c'est un peu comme kakeru tout à l'heure, hein, le fait de mettre quelque chose par-dessus. Non, c'était tabemas. Donc, on met ces choses-là de, par-dessus et puis on le mange. Société, et puis, spai tsuyu. Spai, ça veut dire acide. Hein. Pensez vraiment à du vinaigre, hein. Comme le su, c'est le vinaigre. Spai, c'est quelque chose de très acide. Spai tsuyu o kakete tabemas. Donc, on le mange en mettant une sauce. Sauce assez assez acide, assez vinaigre, j'imagine. Yakisoba. Yakisoba wa namae wa soba desu ga sobako wa tsukaimasen. Komugiko no men desu. Butaniku ya kyabetsu to itamete sousu de aji o tsukemasu. Petite précision. Ce sont des fausses soba puisque yakisoba wa, donc les yakisoba, hein, yaku ça veut dire faire sauter quelque chose, faire ou faire rôtir, bref, faire cuire avec un feu un peu vif. Ouais. Donc, yakisoba wa, namae wa soba desu ga. Leur nom, donc dans leur nom, namae, on les appelle soba, mais sobako, donc notre fameuse farina soba, tsukaimasen, on n'utilise pas celle-là. Komugiko no men desu, ce sont aussi des nouilles faites avec de la farine de blé. Tout ça. Si je dis pas de bêtises, hein, le sobako, c'est de la farine de sarrasin, hein, plutôt. Confirmez-moi ou dites-moi si je dis des bêtises. Est-ce qu'au Japon. Alors, question Clément, est-ce qu'il y a au Japon, il n'y a que des nouilles en longueur ? Y a également la. Yes, merci Crotte. Il y a également tout ce qui est ravioli. Mais est-ce que on aurait des entre guillemets des voilà des choses qui ressembleraient pas de près ou de loin à des spaghettis? Bah, je crois pas qu'ils aient toute la non, il n'y a pas toute la diversité qu'il y a avec les pâtes italiennes. Butaniku ya kyabetsu to itamete. Donc butaniku de la viande de porc, kyabetsu. Cabbage en anglais, du chou, to itamete, itameru, hein, ce serait plutôt des itamesoba que des yakisoba. Hein. Itameru, ça veut vraiment dire faire sauter et revenir à la poêle. Donc on les fait sauter avec du porc et du chou, sauce de aji o tsukemasu. Et on leur donne un goût, tsukeru, hein, toujours cette idée d'appliquer quelque chose. Hey, merci Hogway Zero! Ah bah non, pas merci Hogway Zero. Au revoir petit bannissement. Au revoir Hogway Zero. Tchuk tchuk. Allez. Oh non le bot. Eh oui le bot. Ça c'est un moment. Alors, donc sauce de adiotskas. Donc, on leur donne un goût. Adi, le goût. Avec la sauce. On ajoute, on donne plus de goût avec la sauce. O matsuri no toki yoku utte imasu. O matsuri no toki. Matsuri, la fête, le festival, particulièrement les festivals en plein air comme ça. O matsuri no toki, au moment, hein, toki, le moment, quand. Donc, quand il y a des festivals, yoku utte imasu. Uru utte imasu, vendre. Donc on en vend souvent lors des matsuri. Comme dans l'épisode de Retsuko où ils font l'espèce de matsuri de la
Bref, spaghetti. Spaghetti wa italien ryori desu. Sekai juu ni arimasu ga, nihonjin mo yoku tabemasu. Spaghetti wa italien ryori desu. Donc les spaghettis, c'est de la cuisine italienne. Italien ryori. Je rappelle, c'est simple quand vous voulez dire la cuisine de tel ou tel pays, c'est France ryori, Igiris ryori, si cela existe. Italia ryori, etc., etc. Sauf pour la Chine, c'est pas Chugoku ryori, hein, c'est Chuka ryori. Sekai ju ni arimasu ga, Sekai ju, partout dans le monde. Donc il y en a partout dans le monde, mais Nihonjin mo yoku tabemasu. Les Japonais aussi en mangent souvent. Nihonjin ga kangaeta spaghetti mo spaghetti mo arimasu. Tarako spaghetti desu. Nori ga notte imasu. Tabeta koto ga arimasu ka? Excellent. Ce sont des spaghettis, c'est une recette japonaise de spaghetti avec du tarako. Alors le tarako, comment on traduit ça? Oh là là. C'est cette petite chose-là que vous voyez là. Hein? Alors, le pire, c'est qu'en plus, il y a des bonnes choses à manger en Angleterre. Hein. C'est un mythe que tout est dégueulasse en Angleterre. Hein. Mais... Non, c'est tarako, pas tabaco, pardon. Je suis peut-être pas très très bien prononcé. Tarako. Tarako. Code bro, qu'est-ce que c'est? Comment on traduit ça? Comment on traduit ça en français? Code bro. J'essaie de le traduire. Alors, c'est des œufs de morue, visiblement. Ok, ah oui, bro, c'est les œufs. Ok. Donc, merci Damni la Fox. Donc, ce sont des petits œufs de morue. Et vous mettez ça dans les spaghettis, c'est délicieux. Et avec un peu de nori. Donc nori, hein, les algues, c'est un type d'algue. Nori ka no te imasu. Tout à l'heure, on avait noseru, mettre par-dessus. Là, c'est nori ga no te imasu. Nori ga noru, c'est elles sont au-dessus. Nihonjin ka kangaeta spaghetti mo arimasu. Cette virgule m'énerve beaucoup, parce que c'est plutôt... Donc tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier spaghetti. Donc il existe aussi des spaghettis qui ont été inventés par des Japonais. Là, c'est kangaeta dans le sens inventé. Je regardais le chat là. Pas de ta. J'adore l'Angleterre. Hein. J'étais à Londres il y a 3 semaines. Je kiffe beaucoup. Donc spaghetti mo arimasu. Tarako spaghetti desu. Nori ga notte imasu. Tabeta koto ga arimasu ka? Est-ce que vous en avez mangé? Est-ce que ça vous est arrivé d'en manger? Et on arrive au ramen quand même. Ramen wa chugoku kara kimashita. Dakara, ramen wa chuka soba tomo iimasu. Demo, Nihon no ramen wa men mo soupu mo iroiro arimasu. Shoyu ramen, miso ramen, shio ramen, iroiro na aji ga arimasu. Ramen wa, le ramen, chugoku kara kimashita. Ça vient de Chine, bien sûr. Dakara, c'est pourquoi, par conséquent, ramen wa chuka soba tomo iimasu. On appelle ça également les chuka soba, donc les soba chinoises. Tomo iimasu. Hein. To iimasu, on appelle cela, ça s'appelle. Voilà. Demo, Nihon no ramen wa men mo soupu mo iroiro arimasu. Mais, Nihon no ramen wa. Donc, pour le. En ce qui concerne les ramen japonais, men mo. Donc, les nouilles et la soupe, iroiro arimasu. Il y a toutes sortes de soupes et de nouilles. Non, c'est pas indiscret, Clément. Moi, je connais vraiment 3 langues, hein, le français, l'anglais, le japonais. L'anglais, j'en fais beaucoup. Je consomme beaucoup plus de contenu en anglais qu'en français, en fait. Et voilà.
Et j'ai fait de l'allemand quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté à 20 ans. Je prononce pas trop mal, mais je comprends rien. Et puis j'avais fait de l'espagnol aussi, mais voilà, c'est comme l'allemand. J'en ai pas tellement de reste. Mais je me dis souvent que après 50 ans, je me remettrai à l'espagnol. Je pense que j'aurai pas le courage de me remettre à l'allemand, mais je me remettrai à l'espagnol puisque c'est tellement facile. Et puis j'aime beaucoup l'Espagne. Donc, shoyu ramen, donc le ramen à la sauce soja. Miso ramen, le ramen au miso. Shio ramen, le ramen au sel. Hein, shio. Iroiro na aji ga arimasu. Il y a toutes sortes de goûts. Ah, onaka ga suita. Kyou no ohiru wa nani ni taberu? Nani taberu? Je pensais à nani ni suru. Nani taberu? Ah, onaka ga suita. Ah, j'ai faim. Onaka ga suku, littéralement le ventre se vide. Onaka ga suita, j'ai faim. Mon ventre s'est vidé, donc j'ai faim. Kyou no ohiru wa, à midi aujourd'hui, nani taberu? Qu'est-ce qu'on va bien manger? Et voilà, voilà. Effectivement, une conclusion toute simple pour un petit texte tout simple, mais bien rassurant et utile si vous préparez le N5.